Hey bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans la zone de jeu de société. Et oui, on est rendu dans la campagne du samedi aujourd'hui. Euh, la semaine dernière, on avait fait un petit spécial euh, où, je vous avais, euh, où je vous ai présenté, dans le fond, un genre de déballage, présentation du jeu Solomon Kane. Il s'est passé tellement de choses depuis que je vous ai fait euh, ce. Ben, en tout cas, depuis le moment où moi j'ai filmé ça. Euh, j'ai eu la chance de jouer deux parties de Solomon King. Euh, je faudrait dire je dise aussi que j'ai étudié le jeu, parce que pas, je ne dirais pas que c'est un jeu qui est fiddly, mais c'est un jeu qui a quand même plusieurs petites choses à, à intégrer au niveau des règles. Euh, mais euh, une chose est sûre, j'ai appris à beaucoup apprécier Solomon King, et je vous dirais que c'est une série de vidéos que j'ai très 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 hâte de faire avec vous. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Solomon Kane, qui arrive peut-être dans cette campagne du samedi, ben sachez que Solomon Kane est un genre de jeu narratif, mais qui à la base est un jeu qui va utiliser des dés, euh, mais c'est aussi un jeu qui va utiliser un livre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurines, euh, beaucoup de cartes, beaucoup de choses qui vont se passer, mais c'est surtout un jeu qui est d'abord narratif. Euh, donc ce que j'ai décidé de faire pour euh, cette campagne du samedi dont je n'ai aucune idée du, euh, du nombre d'épisodes, de, de, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui c'est l'épisode zéro. Oui, je le sais, il va falloir encore attendre un petit peu avant qu'on commence officiellement la, la campagne. Je le sais, je le sais, ça fait monter des attentes. Puis il y en a qui aimeraient peut-être que, que ça aille un petit peu plus vite, mais euh, là, aujourd'hui, on va faire la mise en place du, 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 euh, du scénario en tant que tel. Puis, euh, puis ce qui est le fun avec justement Solomon King, c'est que la majorité de tout les, toutes les histoires sont, sont séparées par des chapitres. Alors, chaque épisode risque d'être des chapitres. Donc, il va peut-être avoir des épisodes qui vont être plus courts d'autres qui vont être plus longs. Ça va dépendre si on a euh, ce qu'on appelle un, un récit ou si on a une scène. Quand c'est un récit, c'est quelque chose qui est plus... Euh, je pense qu'il est moins long au niveau de, 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 du temps que ça va passer, qu'on va passer à, à faire justement la mission en tant que telle. Alors qu'une scène, on va utiliser des tuiles pour, justement, euh, avec les figurines, pour établir notre scène et établir notre histoire. Donc, j'ai décidé d'utiliser euh, une extension pour faire mon... Euh, ma présentation. Donc oui, j'ai euh, euh, eu la chance d'avoir avec moi les, euh, la deuxième vague d'expédition euh, de Solomon King. Donc je ne vais pas passer par euh, l'habituel le, le, où euh, souvent on, euh, les, les, on, on présente ce qu'il y a dans la boîte de base. Non, j'ai décidé aujourd'hui que je vais vous présenter l'histoire qui s'appelle le Château du Diable, euh, qui est une petite boîte qui est venue. Euh, dans, la deuxième, euh, dans la deuxième expédition là, de, de, de Methic Gings et de Solomon King. Il euh, y en a plusieurs autres et dans la boîte de base que Martin Montreuil m'a passée, il y a un nombre incalculable. Ben, quand je dis incalculable, je pense qu'il y en a sept ou huit histoires en tout. Moi, j'ai eu la chance d'en faire deux. Je pense que je n'ai pas tout vu. Euh, fait qu'il y a peut-être des éléments de règles, ayez en tête, là, il y a peut-être des éléments de règles que je vais, euh, que je serai pas peut-être à l'aise à 100% avec, surtout au niveau des combats, parce que j'ai pas eu la chance de faire beaucoup de combats. Mais comme je vous ai dit, ce jeu-là, il fonctionne avec des cartes. Alors, sans plus tarder, allons-y, on y va, on commence notre campagne du samedi, mesdames et messieurs. Solomon Kane, le château du diable, vous êtes dans la zone. Jeu de société. êtes prêts pour la mise en place. Donc, ça peut être une mise en place qui est quand même, euh, qui est quand même assez demandante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la mise en place de l'histoire en tant que telle. Donc, oui, il y a une mise en place de plateau à faire, mais il y a aussi euh, la mise en place de l'histoire. J'ai préalablement sorti à peu près tout ce que j'avais besoin déjà euh, de la boîte de base et aussi de la de la boîte d'extension pour que ça puisse être un petit peu moins long. Euh, fait que Solomon Cain, dans le fond, là, euh, on va faire une partie en solo. Donc, quand on joue en solo, on a deux façons de faire. Soit on utilise euh, les quatre vertus, parce que dans ce jeu-là, on ne va pas. Euh, donc, je vous présente Solomon kane ici, qui est juste là. Quel, quel magnifique personnage. Mais Solomon kane c'est un gars qui, d'après ce que je peux voir, parce que je ne connais pas nécessairement l'histoire totale de Solomon kane mais je pense que c'est un homme qui est très tourmenté. C'est un homme qui est à la chasse euh, de la noirceur, je vous dirais, ou des créatures dans la noirceur. Euh, et c'est un gars qui est, euh, je vous dirais, qui est rempli de. Euh, qui est aidé en tout de moins par plein de vertus qui l'entourent. Et euh, lorsqu'on joue en multijoueur, on va avoir la chance d'incarner quatre vertus. Okay? Et euh, j'ai essayé, moi, ma première partie, j'ai essayé de jouer avec les quatre vertus parce qu'on a la possibilité de jouer avec deux, trois ou quatre vertus en solo. Oui, vous pouvez incarner seulement deux vertus si vous voulez, puis les autres vont quand même faire partie du plateau, euh, ils vont faire partie de l'équation, mais vous n'aurez pas nécessairement leur carte. Parce que Solomon Kane, en plus d'être un jeu de figurines, c'est un jeu également de dés, mais c'est aussi un jeu de cartes où on va, euh, dans le fond, dépendamment de ce qu'on va avoir, euh, sur ces fameuses cartes-là, les, les fameux symboles que vous voyez là, bien, euh, dépendamment de ce qu'on va avoir sur ces symboles-là, avec les dés, on va pouvoir activer des, des actions. C'est un jeu qui n'est pas compliqué à la base. Ce qui va devenir complexe un petit peu, c'est le côté fiddliness, brouillon euh, de certaines actions. Mais euh, lorsque j'ai joué en solo avec les quatre personnages, je me suis rendu compte que c'était quand même assez compliqué. Euh, et il y a la possibilité de pouvoir jouer avec une seule vertu qui s'appelle « Providence » qui est une vertu un petit peu plus forte, euh, mais qui nous permet de jouer en total solo. Et je dois vous avouer qu'il y a tellement de choses à réfléchir et à penser euh, dans le jeu de Solomon King que je pense que euh, c'est une bonne décision que je prends d'utiliser Providence. Donc, on a ici, euh, dans le fond, le tableau des statistiques de, euh, de l'ensemble des vertus donc qui représentent les quatre vertus que l'on va jouer: force lucidité, compassion, danger, ce sont les statistiques. ce n'est pas le nom des vertus en tant que tel euh, mais ce jeu là va fonctionner avec un, un concept de statistique où le, le, le scénario qu'on va jouer va nous indiquer où on doit placer les, euh, les statistiques au départ. Que ce soit force, lucidité, compa compassion, il faut jamais qu'on descende à zéro, Sinon, on perd part la partie. Et pour ce qui est du danger, il ne faut pas qu'on se rende plus haut que 10. Euh, et vous voyez, ça, ça, c'est les, les ombres qui vont pouvoir apparaître sur le plateau, dépendamment où se situe notre petit jeton danger. Fait que ça, j'ai placé ça ici. Euh, j'ai également placé la Providence. Alors, la Providence qui vient avec sa propre figurine, ce sont des figurines qui sont vraiment magnifiques. Honnêtement, si j'avais le jeu, je prendrais le temps d'y peindre. Mais il euh, n'y a aucun de ce que Il a rien de ce que vous voyez là qui est à moi. Il y a une partie à Martin Montreuil, il y a une partie à Patrick Aymon que je remercie tous les deux de me prêter le jeu pour que je puisse vous en faire une présentation. Euh, donc, la Providence vient avec son propre plateau de son plateau de joueurs qui a trois, donc, euh, d'ailleurs je, je viens de me rendre compte qu'il faut que je laisse un petit peu de place. Je vais le placer ici. Alors le plateau de joueurs qui vient avec trois actions pré-imprimées pré sur le plateau. Et on va avoir la main gauche et la main droite où on va euh, utiliser des cartes qu'on va placer ici, qui va nous donner, dans le fond, une euh, une action supplémentaire. On, on tantôt, je vous pr présenterai comment on va fonctionner avec ce deck de cartes-là. On va commencer aussi avec euh, avec des dés, donc c'est 3 dés. Euh, qu'on qu a donc je vais les placer tout de suite sur le plateau mais dites-vous que faut sortir l'ensemble de tous les dés du jeu parce que même si on lance que 3D mais à n'importe quel moment il pourrait arriver qu'on conserve 3D et qu'on en lance 3 autres donc ça nous prend quand même une bonne quantité de dés. Alors euh, je vais mettre les 3D qui sont euh, qui sont là ici. Euh, on a un petit plateau nuage, le plateau nuage c'est là qu'on va placer ces dés là qui sont pas des dés en fait, ce sont c'est comme on prend ça comme des ressources. Alors, la ressource verte et la ressource blanche, il y a trois dés de chacun, trois cubes, on va les appeler des cubes, comme des cubes plus gros que, que d'habitude. Et euh, dans le fond, ces cubes-là euh, vont nous donner des habiletés. Comme les, le cube blanc peut, à n'importe quel moment, si on l'a dans le nuage, on va pouvoir l'utiliser pour remplacer n'importe quel, quel symbole qu'il y a sur, euh, sur nos euh, cartes ou sur nos actions qui sont là. Alors que le cube vert, c'est le cube de chance, va nous permettre de, re de relancer une carte événement, qui sont ces fameuses cartes-là ici, les cartes, les cartes d'événement euh, qui ont des, des statistiques sans en bas que je vous expliquerai évidemment en temps et lieu. Beaucoup de ces éléments-là que je vais vous expliquer en jouant, en passant, parce qu'il y a quand même beaucoup de petites euh, euh, de petites règles à savoir. Fait que. On a, euh, on, a placé, on a placé tout ça. Alors, au niveau des decks de cartes qu'on a besoin de, dans ce jeu-là, alors, premièrement, on a les, les cartes événements. Okay, les cartes événements. Alors, ce sont des cartes euh, qui sont... Euh, qui vont nous apporter toutes des choses très négatives. La plupart des cartes événements, on, on va les piger lorsque les... Euh, lorsque les ombres vont atteindre Solomon Kane Parce que Solomon Kane ah, comme on contrôle pas Solomon King dans ce jeu-là, c'est les vertus qui vont, euh, qui vont le, le, le contrôler, qui vont le faire bouger, qui vont lui faire accomplir des actions. Et c'est pour ça que euh, lui, il, ne, il ressent la noirceur, mais il ne les voit pas nécessairement. Et nous, en tant que vertus, on a le rôle de protéger Solomon King contre les ombres. Et quand les ombres réussissent à atteindre la case, là évidemment je parle pour les scènes, là, Lorsqu'il va réussir à atteindre la case de Solomon King, on devra piger un événement et établir les faits. Et souvent, ce qui est inscrit sur les événements, c'est jamais très positif. Alors, on prend toute, 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 toute la gamme de cartes d'événements euh, et on les mélange bien comme il faut et on va les laisser ensuite de ça sur le côté du plateau. Euh, autre deck de cartes ici, ça, c'est probablement un des decks les plus importants. Alors, euh, là, je ne parle pas nécessairement du, du deck des péchés. Donc, vous voyez que les, ici, les, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 péchés capitaux. Alors, ces cartes-là qui sont déjà numérotées, on, on doit les euh, les placer euh, à quelque part. Donc, je vais les mettre sur le côté du plateau. Pas besoin de les brasser. Ça, ça se peut que. Surtout les cartes événements si nous euh, nous demandent de les prendre. Mais là, vous avez les cartes ténèbres. Écoutez-moi bien. Il y a deux types de cartes ténèbres. Okay? Il y a les cartes ténèbres qui sont. Euh, qui sont normales, okay? qui sont représentées par... Attendez, je vais essayer, il faudrait que je les trouve comme il faut. Alors, les cartes ténèbres normales qui sont représentées par le lando qui est comme ça. Okay? Il y a exactement 30 cartes ténèbres normales. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait il y a exactement 30 cartes. Des ténèbres. Ça, ce sont les cartes de cauchemar. Alors, les cartes de cauchemar, ce sont des cartes ténèbres, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus difficiles. Okay? Et là, ce qui est bien important, c'est que lorsque vous commencez de, à jouer à une, à, je vous dirais à un acte. On va appeler ça comme ça. On va vous demander, euh, vous pouvez utiliser les 30 cartes ténèbres. Les, les, ce paquet de, de cartes-là est toujours utilisé. Dans tous les chapitres, okay? sauf que vous pouvez échanger un pour un des cartes donc, de ténèbres normales pour les fameuses cartes de ténèbres cauchemars. Là, moi, je me suis dit, écoutez-moi bien, là c'est bien important d'ailleurs, je vais vous parler dans, dans la figure. Si un jour vous jouez à Solomon King, OK? Puis vous vous dites, Moi, je suis un grand joueur de jeux de société, il n'y a rien à mon épreuve. Moi, quand je joue, moi là, je parle de moi, Martin Lafrenière. Quand je joue à des jeux vidéo, je mets ça toujours à difficile, parce que je suis comme ça. J'aime ça avoir un bon défi. Je travaille fort là-dessus. Donc, quand j'ai commencé à jouer à Solomon Kane, je me suis dit les cartes de cauchemar, amenez-moi ça. Mais les cartes de cauchemar sont vraiment, vraiment difficiles. Donc, soyez conciliants. Si vous voulez avoir du fun, c'est comme jouer à, mettons, Bloodborne ou à Dark Souls puis de se dire, weldon ring maintenant, de se dire, je vais vraiment frustrer. Mais dans ce jeu-là, vous êtes pas obligé de vous frustrer. Alors, ce que vous pouvez faire, ok? Très simplement, c'est vous prenez ici le fameux deck de cartes, ok? Qui sont mes 4-30, Et là, vous décidez combien vous voulez en avoir. Bon, au début, j'en avais mis 10 sur les 30. Euh, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, ça devient excès, comme pas de sens. Donc, pour ma partie filmée, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 sur 30. Alors, c'est ce qui fait qu'il faut que j'enlève donc de mon paquet. Il faut que j'en enlève 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je viens d'enlever 5. Et là, je prends mes 5 quatre cauchemars et je les insère à l'intérieur. Et là, vous allez avoir votre deck des ténèbres cauchemardesques. Puis, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que dans le livret de règles, il n'est pas indiqué vraiment combien qu'on devrait en mettre pour une partie moyenne. C'est vraiment selon vous. Puis, si vous voulez, vous pouvez mettre 34 cauchemars. Euh, mais si vous faites ça, c'est un peu ridicule. Puis, vous êtes vraiment, euh, vous êtes un peu spécial. Puis, ce qui est un petit peu plat, ce que j'ai remarqué, euh, je ne sais pas si c'est juste le jeu de Martin, là. mais euh, les cartes cauchemar et les cartes ténèbres normales sont pas exactement la même grosseur des cartes. C'est pas grand chose, là. mais bon, voilà. Fait que là, j'ai pris ces, ces, toutes ces cartes ténèbres-là, je les ai super bien mélangées et je vais les mettre ici sur, sur le côté. Toutes les autres cartes ténèbres... Je vais les conserver. Je ne les mettrai pas trop loin parce que ça se peut que dans la partie, où on en ait besoin. Puis, ça se pourrait que, par exemple, entre l'acteur 1, et 2, je change les cartes cauchemars. Les cartes cauchemars, j'ai comme l'impression qu'on peut les changer comme on veut, quand on veut, sans problème. Il euh, n'y a pas de problème là-dessus. L'autre affaire aussi, que, bon, au niveau des decks de cartes, tout ce qui me reste à préparer, c'est les cartes effets de combat. Alors, les cartes effets de combat, en passant, c'est des cartes euh, qui, euh, qui vont être utilisées. Je ne les ai pas utilisées encore, moi, personnellement. Euh, donc, on ne les brasse pas parce que ce sont des cartes qui sont spécifiquement avec des numéros. Et là, euh, ce que je peux vous dire, c'est que le jeu, euh, donc le jeu vient aussi avec des cartes effets de combat. Euh, là, ça, ça c'est l'extension en passant. Alors, vous voyez, l'extension, je ne les ai pas ouvertes, ouvertes encore. Je vais le faire là. Alors, vient avec euh, des, euh, des cartes donc E67. Euh, puis euh, quelques cartes supplémentaires là moi en théorie je pense que vous pourriez les insérer dans votre jeu avec les autres euh, moi je le ferai pas parce que c'est pas mon jeu <laughs> ok puis je veux pas mélanger le jeu ça c'est des cartes du deck de Martin puis ça c'est des cartes du deck de Patrick fait que je veux pas nécessairement mélanger leur euh, leur paquet de cartes donc je vais les laisser comme ça sur le côté euh, aussi on a les fameuses cartes découvertes alors ces cartes découvertes là sont des cartes qui sont spécifiquement pour euh, pour la, le scénario, donc le château du diable. Dites-vous que ce sont les cartes euh, qui vont faire avancer l'histoire. Alors, on place ça ici. Donc, je les ai sortis déjà du paquet. Alors, je vais les mettre là. Alors, ils sont en ordre de numéro. On les brasse pas. On les laisse comme ça. Euh, après ça, on a des jetons. Alors, on a ici euh, trois petits jetons qui sont. Euh, qui, je pense que ça, c'est un spécial Kickstarter. Euh, vous le voyez sûrement pas très bien. Euh, puis, je ne sais pas si on va les voir, mais vous voyez, il y a comme un Y, il y a un X, puis il y a un Z aussi. Alors, ce sont des, euh, ce sont des spawn points euh, des, euh, des différents ombres. Ensuite, on a des jetons. Alors, différents types de jetons, que ça se peut qu'on ait besoin ou pas. Ça, c'est sûr que oui, on va en avoir besoin. Ça, c'est des jetons de lumière. Euh, ça, c'est des jetons de points qu'on va souvent avoir besoin dans les scènes. Euh, on a des jetons ici d'exploration. Euh, pour faire les fameuses... Euh, les, euh, les, euh, les actions d'exploration. Je pense qu'on a des, ici des jetons pour rajouter des... Euh, pour rajouter des, euh, euh, des, euh, des ombres. Il y a certaines cartes qui nous font rajouter le maximum d'ombres euh, qu'on qu doit rajouter. On a ici des jetons de dégâts, euh, dépendamment de qu ce qui va arriver. Et ça, on a différents sauts. Ça, ce sont des jetons souvent qui vont être. Ils vont nous expliquer à quoi ils vont servir dans le scénario. Et c'est la même chose pour ça ici. Euh, et euh, on a en plus les Petit marqueur euh, pour chacun des, euh, chacune des statistiques qui sont là. Donc, on a la force. On va savoir où on va placer ça. Donc, encore une fois, c'est. Euh, je pense que c'est un spécial Kickstarter pour ce qui est de, euh, des, euh, du, euh, du côté euh, plastique de ces, de ces fameux marqueurs-là, mais euh, dites-vous que c'est pas. <laughs> c'est pas pas gage euh, je pense que ne ce, ce serait pas nécessaire mais je pense qu'ils ont, ils ont ça dans toutes les les, les copies de Solomon Game. et là tout ce qui me reste à vous présenter dans le fond pour la le genre de, de présentation de base ce sont ces fameuses tuiles là qui sont des tuiles de grâce euh, qui vont souvent nous donner des habiletés spéciales euh, qui sont très très le fun, et encore une fois ce sont des cartes qui vont nous demander de le mettre dans le nuage et quand tout ce qui est dans le nuage est toujours très accepté très Très positif pour nous. Le nuage, c'est comme l'endroit le, le, où les vertus vont demeurer. Alors, on les mélange très bien, puis je les mets ici sur le côté du plateau. Alors, euh, je pense que j'ai tout, tout sorti. Alors là, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est à nous préparer au niveau, donc, du fameux livret euh, d'histoire, le château du diable, et de faire ce qu'on appelle la mise en place maintenant du début de la partie. Alors, on y va maintenant. C'est la base même du jeu Solomon Kane. Euh, alors là, je viens de l'ouvrir à la première page. Alors dans la page de gauche, ici on a, on vous donne toutes les informations concernant comment utiliser le livret, c'est quoi l'assurance un ici, une scène, la, les sections d'un chapitre, c'est quoi un chapitre, la section des règles spéciales, les mots clés, et attributs, qui c'est. Le côté qui est un petit peu plus fiddly du jeu, je vous dirais, c'est le fameux concept des et attributs. Souvent, on a besoin du livret d'instructions que j'ai mis pas trop loin. Euh, les objectifs à accomplir, le dénouement, le plan. Lorsque l'on a une scène, on va avoir un plan. Et la conclusion de l'histoire, on dit une aventure de Solomon Kane se termine quand les joueurs se retrouvent dans un chapitre indiquant une victoire ou une défaite ou quand ils atteignent l'épilogue. Une victoire ou une défaite peut être majeure ou mineure, que Solomon Kane soit victorieux ou qu'il connaisse la défaite. Quand les joueurs arrivent à cette conclusion, ils peuvent décider de tenter une nouvelle fois l'aventure ou de passer une autre histoire de Solomon Kane. Puisqu'un des éléments que j'ai bien aimé à la de Solomon Kane, c'est qu'au contraire de ce qu'on pourrait penser, le jeu, il est très jouable. Il est aussi rejouable. Alors, ça, je dois vous avouer que je trouve ça très intéressant. Alors, Le Château du Diable, inspiré de la nouvelle de Robert E. Howard. Acte 1 sur 2. On a toutes les, les sommaires. On voit que ça peut se rendre jusqu'à 10 chapitres. Alors, minimalement, il va y avoir, ben, minimalement. On peut avoir jusqu'à 10 épisodes, excluant l'épisode 0. Mais oubliez pas que l'acte 2 également. Et j'ai décidé que j'allais jouer ça peut être une campagne de samedi qui va être très longue, comme ça peut être une campagne de samedi qui sera très courte. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un jeu qui est facile. Alors, je vais jouer jusqu'à temps que je perde vraiment la partie. OK? Et quand je vais perdre la partie, on mettra fin à cette campagne du samedi. J'espère que ça n'arrivera pas dès le premier premier épisode, ça sera un peu plate. Alors, ici, on commence, c'est écrit Monsieur, qu'importe l'endroit où se trouve un homme, tant qu'il exécute le plan que Dieu a prévu pour lui. Solomon Cain dans le château du diable, acte 1. Alors on va maintenant changer la page. Et là, ce qui est bien important, c'est qu'ici, on a toutes les figurines qu'on a besoin. Je les ai déjà toutes sorties. Les figurines, ils sont de ce côté-ci. Euh, il y a également, on a besoin du euh, compas. Il y a également une version qui est euh, en plastique, mais euh, je trouve que celle-là est beaucoup plus claire. Donc j'ai sorti ça. Et évidemment, on a également besoin de toutes les tuiles qu'on a d'indiquer ici. Et là, ce sont toutes des tuiles qui proviennent du jeu de base en passant. Euh, donc, il n'y a pas de tuiles de l'extension pour l'instant. Donc, ça, ça veut dire que dans la. Puis ça, je dois vous avouer et vous dire aussi, puis ça, c'est bien important. Ce que vous voyez là, c'est... Euh, ce sont des tuiles. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, ce que vous voyez là, c'est... Euh... Ah mon Dieu, j'ai perdu mon. <laughs> j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais les, les, euh, les tuiles, donc, ils proviennent toutes, donc, du, de la boîte de base. Et euh, l'acte 2, ah oh oui, c'est ça, c'est ça je m'en allais dire. Voilà. Ouh, hein, c'est ça vieillir, je pense. C'est ça qui arrive quand on vieillit. Euh, c'est que euh, ça, c'est juste pour l'acte 1, mais tout ce que j'ai sorti, tout ce qui est là, tout ce qui est ici, c'est tout pour l'acte 1. Donc, j'ai pas besoin de retourner dans ma boîte de base. Si vous, la, vous avez la chance d'avoir une table dédiée, pour les jeux de société. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais si vous avez la chance de le faire et d'en avoir une, ce qui est le fun, c'est que tu peux tout sortir d'un coup sec. Puis après ça, tu joues ton acte, puis tu n'as pas besoin de retourner dans la boîte. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée et c'est vraiment très, très cool. Donc là, j'ai tout sorti ça. Alors, imaginez-vous donc que on est déjà rendu. Euh, donc, au, au récit du chapitre 1A. Alors allons-y, on va regarder ça ensemble. Okay, là, je viens d'avoir des, des flashbacks de, de mon calendrier de l'avant de l'année passée avec ce que je vais faire. Et je trouve ça le fun parce que c'est en français. Et ça, s'il y a bien un jeu que je vous dis qui vaut la peine que vous le preniez en français, c'est bien celui-là. Parce que du texte, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc voilà, fait que le premier, c'est un récit. C'est quoi la différence entre un récit et un, un, une scène? C'est qu'un récit, c'est une petite histoire qui est beaucoup plus condensée, qui va souvent demander à Solomon Kane de réussir à avoir au moins, euh, donc de, de, de placer des jetons de lumière. OK? Donc, le, le but de jeu, c'est vraiment dans un temps qui est souvent. Parce qu'en passant, les, les cartes ténèbres, ce sont souvent des cartes qui vont délimiter le temps. Lorsqu'il n'y a plus de cartes ténèbres, lorsqu'on est rendu à. Euh, donc, lorsqu'on a défaussé la dernière carte Ténèbres, c'est ça qui va marquer la fin euh, donc d'un d'un récit ou qu qui va marquer la fin d'une un, scène. Donc, vous voyez que celui-là, ça va durer à peu près que quatre tours. Par contre, il y a des cartes euh, qui vont nous permettre, puis des fois même dans la mission en tant que telle, je donne un exemple, j'essaie d'en euh, trouver une, regardez. Donc, par exemple, la carte Finesse. Il y a une carte où c'est écrit Ajouter ou retirer une ténèbre. Donc, il y a des actions qui nous permettent de rajouter du temps ou d'en enlever, dépendamment de euh, si on. Qu'est-ce qu'on veut exactement faire à ce, ce niveau-là? Est-ce qu'on veut finir le chapitre plus vite ou le rendre encore un petit peu plus long? Fait que euh, le but, c'est donc de, de réussir à mettre autant de lumière possible. Encore une fois, c'est en utilisant des actions, euh, comme par exemple ici, euh, euh, je vais en prendre un, comme. Par exemple, élégance. Si je réussis à jouer et à faire cette, cette action-là d'élégance, ça me dit de poser deux lumières. Et alors, évidemment, il y a différentes façons de poser des lumières dans ce jeu-là. Il y a de les poser sur les réceptacles qui sont ici. Et il y a des réceptacles également qui sont sur mon plateau personnel. Mais les réceptacles qui sont sur mon plateau personnel. C'est seulement et uniquement quand Solomon Kane euh, subit mon influence. Donc, seulement dans les scènes, à moins que ce soit indiqué au contraire. Okay. C'est bien important. Il faut que vous sachiez que oui, je pourrais euh, dans ce, dans ce récit-là décider de poser des lumières qui vont me donner des avantages, mais je vais pouvoir les utiliser seulement aux autres, euh, aux autres chapitres parce qu'on n'enlève pas ce que l'on met sur notre euh, vertu pendant notre mission. Ok. Alors, et là, le but du jeu, bien euh, bien directement, c'est de. Bonjour. 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 Vous allez bien Oui. Ah, écoute la vie de la zone, c'est toujours le fun. Euh, donc, le but du jeu, c'est lorsqu'on arrive donc, dans les, les fameux chapitres. Alors, lorsque, euh, parce qu'on va en parler tantôt, mais le dénouement, c'est soit on réussit à illuminer le chemin de Solomon Cain euh, et on va donc se rendre, par exemple, à 2A, ou on est dans une zone ténébreuse, on va être à 2B. Illuminer Solomon Cain, c'est de, euh, de, de, de faire au moins quatre. Donc, d'illuminer quatre euh, réceptacles. Et si on réussit une cinquième, euh, cinquième fois, on va pouvoir améliorer des statistiques. Donc, et ça, c'est bien important parce que c'est pas inscrit nécessairement là-dessus. Ça, c'est dans les règles. Lorsqu'on fait euh, des récits, on peut donc améliorer nos statistiques. Donc, je, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est deux statistiques pour quatre illuminations et trois statistiques pour cinq illuminations. Mais là, peut-être que je me trompe. J'ai regardé dans le dans le livret pour être sûr de ce que je vous avance. Et en plus, on a tout ce qu'il faut pour préparer tout ça. Parce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais commencer par vous lire l'histoire. On préparera après ça le restant de, du matériel, dont notre vertu. Puis après ça, bien, on aura déjà terminé, imaginez-vous donc, cet épisode zéro et on sera prêt à commencer le chapitre, un gibet au bord de la route dès, le, euh, dès le, le, la semaine prochaine ou demain si euh, vous regardez ça en différé. Alors euh, allons-y, on y va avec l'histoire. Hein, Voyez-vous, il y a déjà une petite chose à modifier. Donc, euh, une voie ténébreuse, c'est 0 à 2 réceptacles euh, illuminés euh, à partir du troisième réceptacle. Ça aurait été bien qu'ils l'inscrivent sur euh, dans les pages ici. Ça aurait été. Moi, je pense que ça aurait été le fun de marquer ici, mettons, euh, de faire un petit symbole ténébreux, puis après ça euh, illuminé ou de faire ça en deux, je ne sais pas pourquoi. Il semble que ça aurait été simple de le faire, ou peut-être que c'est parce que c'est pas toutes les missions qui fonctionnent comme ça, mais c'est écrit directement dans le livret. Fait que j'imagine qu'ils vont probablement le faire assez souvent. Alors, 0 à 2, puis c'est 3 réceptacles, c'est une modification, 4 réceptacles, c'est 2. 5 réceptacles, c'est trois modifications. Puis les modifications, c'est d'augmenter force, lucidité, compassion de 1 et euh, ou descendre le danger. Puis on peut faire... Euh, ce qu'on veut de la manière que l'on veut sans problème. Ok, alors j'y vais avec, euh, avec l'histoire, alors allons-y, c'est parti. Alors au gibet au bord de la route, Sss, on commence. Le grand et austère puritain marche seul sur un sentier bien entretenu qui traverse le cœur de la forêt noire. Le froid de l'hiver donne un mordant d'acier à la brise et la nuit tombe rapidement dans cette sombre forêt primordiale. Même si la matinée vient de commencer, la longue foulée de Solomon Kane doit encore dévorer de nombreux lieux avant qu'il puisse trouver une taverne ou dîner et reprendre ses forces. Sur l'horizon, une puissante cime alpine se dessine au-dessus des frondaisons, couronnée par un château gothique à l'allure brutale et sinistre. Kane lève sa figure pâle et sombre et lance un regard noir à l'édifice. Son œil expérimenté lui trouve un aspect de mauvaise augure, et il se souvient de la façon dont les paysans du dernier village qu'il a traversé parlaient à voix basse du château du diable, avant de se signer et de partir à vive Après avoir passé un rivage, euh, Kane découvre un carrefour et s'immobilise à la vue d'un gibet dressé sur le bord de la route. Un jeune homme, presque encore un garçon, est suspendu à la corde et il agrippe sa gorge alors que ses yeux se révulsent et que son visage prend une teinte violacée. Alors, est-ce que j'ai dit que ce jeu-là n'était pas nécessairement un jeu pour les, les, les enfants? Hein? Fait qu'ayez ça, ayez ça en tête. Alors, j'imagine qu'au gibet, au bord de la route, il va falloir essayer d'aider. Euh, cette fameuse personne. Alors, première chose qu'on doit faire, c'est préparer notre deck de, de, des ténèbres qui doit avoir 4 cartes. Alors, je prends mon deck dans lequel il y a 5 cartes cauchemars sur les 30. Évidemment, je vais probablement prendre 2 de ces cartes-là. 1, 2, 3 et 4. Alors, tout simplement, 4 cartes de ténèbres. Évidemment, les autres cartes, vous les mettez pas trop loin parce que ça se peut... Que vous en ayez besoin. Alors, moi, je vais les mettre ici, mes quatre cartes de ténèbres. Parce qu'on a, a besoin de ça en hein, passant pour remarquer. Donc, c'est vraiment comme pour l'instant, c'est notre plateau de jeu. Euh, ensuite, on a besoin de D3400. Alors, on va prendre la carte découverte D3400. Et ça, ça va nous donner probablement une action qu'on va pouvoir faire. Fait qu'on va, on va la découvrir ensemble. Alors, c'est écrit ici en toute hâte Kane se précipite au secours du garçon pour le décrocher avant qu'il étouffe et ça c'est ça c'est un symbole pour nous dire que c'est une action qu'on peut utiliser pendant notre pendant notre chapitre. Alors les vertus peuvent effectuer des actions de mouvement. OK donc je peux faire je peux donc utiliser mes cartes que j'ai ici pour faire des mouvements parce qu'habituellement dans un récit on ne peut pas faire de mouvement. on s'entend que ça donne pas grand-chose. À chaque fois qu'elles le font, poser un nombre de donc de lumière égale à la valeur du mouvement. Alors ça c'est intéressant. Très intéressant parce que. Et là, je la mets ici, cette carte-là, pour dire qu'elle est active. C'est intéressant parce que euh, ici, j'ai un mouvement 1 opposé. Euh, on s'entend que c'est mouvement 1 opposé lumière. Euh, c'est possible. Puis, euh, placer Providence sur le plateau ou mouvement 1 pour Providence. Voyez-vous, j'en ai un autre ici pour faire un mouvement 1. Et est-ce que j'ai des cartes pour faire du mouvement dans ma main? J'ai un mouvement 2 ici avec la résolution qui est là et c'est pas mal tout. Fait que, mais en même temps, je, donc je peux faire des actions de mouvement pour mettre des lumières, okay? Alors ça c'est fait, ça c'est sorti et là on voit qu'il faut que je place donc les statistiques, les valeurs initiales des attributs. Alors la force, elle est à 5, ce qui est pas énorme. Donc j'imagine que c'est probablement le froid qui m'a un petit peu euh, ralenti à ce niveau-là. Ensuite, la lucidité est à 5, pas beaucoup non plus. La compassion est à 5. Et ensuite, bien, tout est à 5 finalement. Et le danger est à 5. Fait qu'on commence vraiment au centre. Euh, donc, un, si je comprends bien, c'est une mission qui va être un petit peu plus difficile. Alors là, ça c'est déjà préparé. OK, c'est fait. Ce n'est pas trop, trop difficile. Là, il faut préparer maintenant notre vertu lorsqu'on commence une partie. Alors, lorsqu'on commence une partie, on prend les cartes des vertus. D'ailleurs, je vous recommande fortement de, de protéger les cartes des vertus parce qu'on les brasse assez souvent. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on brasse les huit cartes. Chaque vertu a exactement, exactement huit cartes. Alors, je les brasse bien comme il faut. OK, voilà. Une fois que c'est brassé, ensuite, je vais faire deux paquets. Deux paquets de quatre cartes. Et là, je peux les regarder et je vais choisir un des deux paquets pour conserver dans ma main, pour que ce soit ma main. Alors, si vous vous souvenez, voyez-vous ici, j'ai. En même temps, ça va me permettre de vous expliquer un petit peu les actions. Alors, ici, on a, on a la carte finesse. Alors, vous voyez que ça a rapport avec les, euh, les dés qui sont ici. Alors, si par exemple, j'ai euh, ce symbole-là, je vais le mettre par-dessus. Alors, ce symbole-là ou le symbole ici. Alors, si j'ai ces deux symboles-là, donc je les mets dessus, donc je peux activer l'action qui est là qui est ajouté ou retiré une carte ténèbre. Okay. Et donc ça, ça peut être très intéressant. Ensuite, on a la carte qui s'appelle résolution, que je vous ai parlé tantôt, qui nous permet d'avoir deux mouvements ou de poser jusqu'à deux lumières sur des réceptacles différents. Et ça, c'est très important parce que cette carte-là de résolution, la version anglaise, c'est un mouvement, c'est de poser jusqu'à deux réceptacles sur des réceptacles différents c'est de bouger prendre deux jetons de lumière et de les placer à d'autres endroits et non de créer de lumière et ça c'est très important et surtout c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans des jeux cette fameuse explication là ok euh, ensuite de ça on a la carte élégance vous voyez que ceux-là prennent plus de dés c'est providence a des cartes plus fortes parce qu'on joue en solo euh, les cartes lorsqu'on joue avec les, euh, les cartes lorsqu'on joue avec les quatre autres euh, vertus, euh, vont euh, pouvoir s'entraider. Ils vont avoir plus de synergie. Donc, voyez-vous qu'élégance, c'est de poser deux lumières. Et finalement, vous avez Sagacité, qui, elle, demande en plus de perdre une lucidité, qui nous permet de faire une exploration 4. C'est quoi le 4? C'est un chiffre de base qu'on va utiliser parce qu'il y a beaucoup de tests qu'on va faire dans ce jeu-là. Et dépendamment de la valeur du test, parce que le test, ça va toujours être le chiffre, plus les modificateurs, euh, et c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions parfois. Alors, on, peut, on voit ici qu'on fait une exploration 4, où on pioche deux euh, cartes de bénédiction. Donc, deux tuiles de bénédiction, on en choisit une, on le pose dans le nuage. Alors, ça, ce sont les quatre cartes de ce deck-ci. Et les quatre autres cartes que j'ai, dans l'autre deck. Alors, on a Astuce, qui nous permet de faire un combat 4 ou gagner deux dés de chance. Euh, non, en passant, c'est des verts. Je sais que ça paraît comme bleu, là, mais dites-vous, c'est parce que c'est un verre, Mon green screen l'enlève complètement. Alors, c'est des cartes, c'est des dés de chance qui nous permettent de retirer des cartes événements souvent. On a Dignité qui nous demande d'enlever, de, de racheter un danger pour faire un test de force. Euh, dans le fond, c'est d'augmenter la force, la compassion le, ou la lucidité de 1. Si Providence autour de ce plateau, on peut refaire une action une deuxième fois. Donc, ça, c'est pour manipuler les statistiques qu'on n'a pas tant besoin. L'interrogation, c'est une discussion 4, donc c'est une action de discussion, parce que dans ce jeu-là, on ne va pas juste combattre, on va discuter, on va explorer. Euh, le combat, c'est une des choses qu'on fait dans ce jeu-là, parmi tant d'autres. Alors, discussion 4, où on gagne deux euh, cubes blancs, qui sont des cubes qui nous permettent de remplacer n'importe quel euh, symbole sur ces cartes-là. Et finalement, courtoisie, c'est danger moins 1 ou plus 1 lumière. Alors, moi, c'est sûr que là, euh, celle-ci, c'est beaucoup trop intéressant. Alors, ce qu'on fait, le, donc, ça, ça veut dire que ça, ce deck-là, je le mélange. OK Alors, je le mélange comme il faut, ces quatre cartes-là. OK Et je vais les placer ici, par-dessus. Alors, ça, c'est ma pioche. Et euh, là, en dessous de ça, dans ces quatre cartes-là, j'en choisis deux qui vont être dans ma main droite, dans ma main gauche. Alors, c'est sûr qu'on va y aller avec élégance qui permet de mettre des lumières ou euh, résolution qui permet de faire un mouvement 2 également. Et ces deux cartes-là qui me restent, ce sont mes cartes de ma main, alors que je vais mettre euh, en dessous ici, là, vous ne les voyez pas, là, mais dites-vous que ma main est là. Et, euh, et là, je vous dirais qu'on est prêt à officiellement commencer. Il euh, n'y a plus rien euh, qui, euh, qui m'empêche donc, euh, ben qui m'empêche, tout est installé. Alors, une partie très sommairement, parce que je vais plutôt vous expliquer la semaine prochaine comment ça fonctionne. Et vous avez une be un bel aide de jeu ici. Donc, effet de fin de début de tour, ensuite on lance les 3 dés. Ensuite, on peut retourner ou relancer un dé comme inscrit sur notre plateau. On a le droit de mitiger, de, de modifier un seul dé soit en le relançant ou en le changeant sur sa face opposée. Donc souvent, lui, va, le cœur noir va devenir le cœur blanc. Et euh, le. Rond euh, comme ça, va devenir là, avec le rond avec les épines. Et les croix, ce sont euh, des wild. Donc, on peut les utiliser pour n'importe quel euh, symbole, sauf qu'on euh, ne peut pas mettre deux croix au même endroit. Il faut qu'on en aille seulement un, à moins qu'il y ait une croix comme cette carte-ci. Voyez-vous, cette carte-ci, elle a une croix dessus. Donc, je pourrais mettre une autre croix. Euh, parce que celle-là demande spécifiquement d'avoir une croix pour pouvoir faire l'action. Alors, on va faire ça. On va euh, essayer de, euh, donc de, de changer notre change, notre chance. <laughs> Ensuite, on va construire notre cagnotte de dés. Donc, si on prend toutes les dés qu'on a conservées dans notre réserve, parce qu'on n'est jamais obligé de jouer tous les dés, on peut les conserver dans la réserve pour le prochain tour. Ensuite, on va allouer les dés aux actions ou on va les mettre en réserve, comme c'est écrit ici. Ensuite, on va. Puis en passant ces dés là dans la réserve, on ne peut jamais changer leur face. Donc leurs faces sont bloquées complètement. Donc les seuls dés qu'on peut changer, c'est vraiment les dés qu'on lance pendant le tour. Ensuite, on va appliquer les actions, on va placer euh, de nouvelles cartes actions. Euh, donc dans la main droite, dans la main gauche, on va remonter pour toujours avoir deux cartes en main. Euh, et ensuite, on va faire les effets de fin de tour. Et euh, on va ensuite de ça piger une carte de ténèbres et on va appliquer les effets. Il y a une différence dans les récits et dans les scènes, que je vous expliquerai euh, donc à la, à la, au prochain épisode. Et ensuite, ça c'est le tour des joueurs si on avait un joueur ténèbres mais ce n'est pas le cas ici. Et ensuite, on recommence ainsi de suite jusqu'à temps que la dernière carte ténèbre soit défaussée, ou on, on finit alors le tour, parce que des fois, les cartes ténèbres peuvent être défaussées. Euh, dans d'autres circonstances, comme par exemple avec cette carte-là. Si je défaussais la dernière carte ténèbre, on termine le tour de joueur et c'est la fin ensuite de ce chapitre-là. On vérifie euh, l'atteinte du dénouement et on passe ensuite au prochain chapitre. Ben voilà, je pense que euh, je vous ai euh, je vous ai présenté l'ensemble le, 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 très rapidement des règles du jeu. J'ai une panoplie. Une panoplie de figurines qui m'attendent ici sur le côté. Euh, ça semble quelque chose qui va être assez épique. En tout cas, ça commence assez raide comme histoire. On se promène dans un endroit froid, l'hiver, euh, on voit au loin une, un château qui qu'on appelle le château du diable. Euh, les, euh, les villageois du, du dernier village semblaient ne pas l'apprécier beaucoup, cette, ce lieu-là. Et là, en marchant, on ramasse, on, on rencontre un gibet dans lequel il y a un garçon qui semble malheureusement être juste passé, justement, à la, euh, avec la corde autour du cou. Alors là, il faut essayer de le sauver. Est-ce que c'est une bonne chose de le sauver? Je ne sais pas. On va voir ça officiellement, donc, la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et merci beaucoup d'être là et d'être présent avec moi dans la zone jeu de société. Alors, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commentaire, le valet de cœur au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.